Mardi 23 mars 2010. Melun s'apprête à rendre un hommage exceptionnel à Jean-Serge Neurin, un policier assassiné 6 jours plus tôt par le TA, lors d'un banal contrôle routier. Jamais les obsèques d'un policier français n'ont connu un tel retentissement. Le président de la République a tenu personnellement à faire le déplacement. À l'extérieur de la cour d'honneur, plusieurs centaines de policiers en civil assistent à la cérémonie. Silencieux. En apparence, l'ambiance est au recueillement. Le chef de l'État prend la parole. Quiconque porte atteinte à un policier, à un gendarme, à un fonctionnaire, par l'insulte ou par le geste, porte atteinte à la République elle-même. Soudain, une douzaine de policiers lui tournent le dos. Nous appliquerons la tolérance zéro. Un affront sans précédent au premier flic de France, qui peut coûter à ses fonctionnaires la révocation pure et simple. Un geste de défi envers ce président qui avait, il y a encore peu, la confiance des policiers. Que les choses soient claires. Mais surtout le symbole d'un malaise au cœur de cette institution sur laquelle Nicolas Sarkozy a la main depuis 2002. Les agents en charge de l'ordre public. Remise de la Légion d'honneur à titre posthume. Pour comprendre ce malaise, nous avons demandé au ministère de l'Intérieur de nous ouvrir les portes des commissariats. Elles sont restées fermées. Ce qui s'exprime dans ce film à visage caché risque de lourdes sanctions pour briser l'omerta. Ce sont les policiers de base, les fameux gardiens de la paix, la tenue, comme on dit. Ils représentent plus de la moitié des policiers.